que nous ont passé les maires de Nantes et de Saint-Nazaire, Joël Bateux et Jean-Marc Ayrault, qui construisaient la métropole Nantes-Saint-Nazaire, d'un point de vue économique, et qui voulaient montrer que c'était aussi une métropole culturelle, qu'il pouvait y avoir aussi une identité culturelle sur ce territoire. Et donc avec mon équipe, on a pris une carte et on s'est dit qu'on allait travailler sur ce fil, hein, sur cette relation entre les deux villes, physique, hein, et pas seulement symbolique, physique, et faire venir là de grands artistes internationaux pour leur donner une dimension à ce territoire et leur demander d'interpréter ce territoire. On passe à côté d'une œuvre de Roman Signer sur cette ancienne usine à béton. Ce qui était intéressant avec Roman Signer, c'est que c'était finalement sa première œuvre pérenne. En fait, c'est un balancier, hein, c'est un pendule qui marque le flux et le reflux de la Loire, qui marque le temps. Hein, c'est une horloge sans aiguille. Hein, et voilà, et c'est ce mouvement perpétuel dans cet endroit où personne n'allait. Hein, et voilà, une œuvre en quelque sorte un geste gratuit. Il m'a semblé intéressant dans ce dispositif, justement par rapport à la question de l'art et du paysage, c'est de faire ce travail in situ, c'est-à-dire d'être dans la situation dans laquelle effectivement les œuvres prennent du sens, à l'endroit particulier où elles sont, etc. Et je trouve ça particulièrement intéressant depuis quelques années, effectivement, la manière dont la question artistique se confronte à celle du paysage, et elle se confronte à celle du paysage dans une autre tradition finalement que celle du land art, hein, qui n'est pas du tout sur les mêmes bases, sur les mêmes fonctionnements, avec quelque chose qui est de l'ordre de l'extension d'une notion d'espace public, c'est-à-dire un espace public qui, en dehors de ces logiques classiques urbaines, très urbaines, commence à envisager les grands territoires, les grands paysages. C'était vraiment l'idée, montrer qu'il y avait un territoire, un paysage qui existait véritablement et qui était totalement inconnu. Et puis surtout, c'était le lieu du port. Hein, c'était totalement accaparé par le port. Hein. Et puis, et vous allez le voir, c'était toutes les usines, toutes les industries, on le voit là, hein, qui polluent, hein, qui sont pas très, très, très propres, qui le sont devenus, qui le deviennent, qui essaient de le devenir. Et bien évidemment, on en a fait nos partenaires. Quand on a commencé à travailler sur l'estuaire, d'abord il fallait trouver des financements, hein, et puis il fallait aussi surtout, comme c'était un travail in situ, que tout le monde soit partenaire, que tout le monde soit concerné, hein, y compris les entreprises, y compris les industries, mais aussi les usagers de l'estuaire. Parce que là on voit les industries, on est encore un peu en milieu urbain, mais vous verrez plus loin, il y a des pêcheurs sur l'estuaire, hein, qui vivent de l'estuaire. Et c'est ça qui a été passionnant pour nous, c'est-à-dire que les œuvres in situ nécessitent une négociation, toujours, quel que soit le territoire. Donc toutes ces contradictions, toutes ces ambiguïtés, toutes ces négociations qu'on ne connaît pas quand on est dans un centre d'art, dans une galerie ou dans un centre culturel, on les a découvertes. Et ce travail qui nous apparaissait contraignant, difficile, toutes ces négociations ont fait qu'on a fait un travail d'action culturelle fantastique, sans le savoir. Et ça a fait, enfin pour terminer, pour conclure sur ce sujet, que les habitants se sont appropriés les œuvres. Quelque part, c'est un récit, ça. Ouais. C'est un récit métropolitain. Ouais. Et donc, quelque part, il faut transposer spatialement quelque chose qui est de l'ordre du narratif, quoi. Oui. C'est-à-dire un fil, une direction. Et ça se trouve physiquement, forcément, à travers un fleuve, à travers des perspectives, à travers des relations physiques, je dirais, qui, si elles n'existent pas, si on est dans le ponctuel, comme ça, on est dans la forme aussi, on n'entend pas, on saisit pas la globalité de l'affaire et tout ça. Donc je crois que c'est un petit peu cette idée de transposer finalement un fil narratif dans l'espace. Oui. Le risque dans le travail, on va dire sur le terrain social avec les acteurs, c'est qu'il y ait une dissolution d'une proposition artistique
à laquelle un artiste tient fermement. Quand tu dis Guren, tu lui montres l'usine et Guren te dit oh « ben non, elle m'emmerde, elle ne me plaît pas, elle est moche, moi je vais te proposer autre chose », il est absolument nécessaire dans ces dispositifs-là qu'il y ait une négociation, mais qu'il y ait une proposition artistique. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ces deux jours, c'est qu'on n'insiste pas suffisamment sur la nécessaire autonomie de l'artiste et de la nécessité de préserver l'autonomie artistique, c'est-à-dire allons-y du geste artistique. Il y a des points à discuter là-dessus, sur ce que tu dis, parce que bien sûr la nécessité de l'autonomie de l'artiste, mais en même temps la production d'un cadre, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de cadre préexistant, il n'y a pas de visibilité plus de l'œuvre, je veux dire. Et précisément, moi je trouve que c'est quasiment une métaphore, l'œuvre de Buren, c'est une métaphore, quoi. Je veux dire, dans le travail artistique, la production du cadre, c'est important. C'est-à-dire, c'est le regard, le point de vue, c'est, me semble-t-il, toi qui nous l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a aussi cette dimension, si tu veux, en fond, en substrat, qui est complètement fondamentale et qui donne du sens aussi à l'autonomie de la proposition artistique. Il y a une dialectique là-dessus. Hein. Les trois enjeux dans l'instauration d'une scène, c'est une perspective, c'est-à-dire un horizon, un ensemble, un cadre, mais au sens même presque juridique du terme, parce que faut négocier, quand tu dis négocier, c'est quasiment juridique, et économique aussi. Et puis après, c'est comment tout ça caractérise ce qu'on peut appeler le décor, c'est-à-dire comment tout ça fait un espace spécifique, identifiable, caractérisé. Donc je suis entièrement d'accord sur que l'artiste doit être confronté à un cadre, y compris dans la contrainte du cadre. Là, on va arriver à une installation de Jean-Luc Courcoul, le metteur en scène de Royal de Luxe. C'est le seul artiste en fait non plasticien qui soit sur ce parcours, tout simplement parce qu'il me l'a demandé. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je n'avais pas imaginé faire appel à lui. Mais quand j'ai évoqué cette idée de travailler sur la Loire, sur l'estuaire, il a tout de suite pensé à quelque chose d'inhabituel, de surréaliste, hein, au sens où on entend d'habitude du mot. Là, vous allez voir un Magritte en 3D, hein, et qui, la nuit, est éclairé de l'intérieur, donc on suppose que c'est encore habité. Là, il y a véritablement une histoire que chacun se raconte. Et là, vous voyez que l'eau peut monter jusqu'au deuxième étage, hein. On est à marée basse. Donc elle vit avec la marée, hein, cette maison. Là, on est en train de se poser la question de savoir si on la nettoie ou pas, quoi. Parce que... C'est dommage. Je sais pas. C'est une question, c'est une vraie question. Au départ, quand on fait ce travail de repérage sur le territoire, qui est entre parenthèses le plus agréable pour nous, hein, et maintenant on le connaît bien, l'estuaire, bon, on ne se pose pas la question de savoir si c'est faisable ou pas. On choisit un espace, on choisit un territoire parce qu'il nous semble très représentatif d'une ambiance, parce qu'il nous semble fort, bon, et puis ensuite on voit comment faire. Et là, les ennuis commencent, mais on travaille d'une façon très empirique. On fait venir l'artiste, l'artiste voit, après il repart, et ça va être un peu le cas de l'œuvre qu'on va voir là. Et puis, une semaine après, il nous envoie une idée, ou un dessin, une petite esquisse, quelque chose qui donne son idée. Là, par exemple, avec Erwin Wurm, on le fait venir, on lui raconte ce qu'a été l'histoire du canal de la Martinière, hein, une espèce de construction fitzcarraldienne, parce que à une période, la Loire s'est envasée et les grands voiliers à fort tirant d'eau, hein, qui emmenaient les marchandises de l'embouchure de l'estuaire à Nantes, ne pouvaient plus passer.
Donc il a fallu réaliser un canal qui contourne pour donner la possibilité aux bateaux de passer. Voilà. Et ça, pour construire un canal, ça prend, je ne sais pas, moi, 10-15 ans. Bon. Et puis il a fonctionné 10-15 ans aussi. Et puis au bout de 10-15 ans, on a appris à creuser le chenal. Hein. Et donc ce canal devient obsolète. Et il devient un cimetière de bateaux, un cimetière de voiliers. On lui raconte ça. Et Erwin Wurm, quelques semaines, une semaine ou 10 jours après, nous envoie une petite esquisse sur un morceau de nappe déchiré en papier. Et c'est ce bateau comme ça, courbe, qui s'appuie sur l'écluse, qui essaie de rejoindre l'estuaire, qui essaie de s'échapper de son cimetière pour retrouver la Loire et retrouver l'Atlantique. Donc voilà, une belle histoire, très poétique. Et voilà, et donc toute cette histoire, bien évidemment, raconte l'histoire de la Martinière et donc de cette petite commune qui s'appelle le Pèlerin. Bon. Et bien évidemment, ce bateau ne peut être qu'ici, ne peut être nulle part ailleurs. Donc comment une œuvre et comment un artiste finalement font cet immense cadeau à une petite commune, toute petite commune. Là, on arrive à la Villa Cheminée, une œuvre de l'artiste japonais Tazunichi, qui vivait en Allemagne et je crois en France aujourd'hui. C'est un artiste extrêmement facétieux qui travaille beaucoup, bien évidemment, sur la surprise, sur la curiosité. Et ici, on avait vraiment un problème, savoir comment. C'est impossible de demander quelque chose à un artiste, c'est tellement énorme, c'est tellement immense. Mais lui, on se disait que ça lui plairait. Donc la première fois qu'il est venu, il a imaginé d'abord, dans cet univers industriel, apaiser cet univers industriel. Et il a imaginer autre chose, et c'est cette cheminée que vous allez voir bientôt, donc il a conçu aussi à l'identique. Quand on se met dans la perspective de cette cheminée et qu'on regarde les autres, on a vraiment l'impression qu'elles sont semblables. Hein. Et sur cette cheminée, qui fait 15 mètres de haut, il a posé une petite maison, comme on en trouve maintenant dans toutes les grandes banlieues des villes, ce fameux mitage urbain. Bon, qu'il dénonce là en quelque sorte, et cette maison est habitable toute l'année. Hein. C'est un gîte, hein, c'est comme une chambre d'hôtel. Il faut réserver très longtemps à l'avance, de très loin. Il y a des gens qui viennent de très loin pour l'habiter, et quand on est à l'intérieur, c'est extraordinaire. Hein, parce que les lits sont à hauteur des fenêtres, et on voit d'un côté la centrale la nuit qui ronfle, hein, et puis vers Saint-Nazaire. L'immense paysage de l'estuaire. Il y a beaucoup d'œuvres qui jouent dans le vocabulaire, qui jouent la récupération du langage industriel, enfin de l'architecture industrielle, ouais, le charbon, là. Et puis qui fonctionnent comme des belvédères. Il y a beaucoup d'œuvres belvédères dans les œuvres des artistes, c'est-à-dire qui donnent des points de vue privilégiés à des hauteurs différentes. Qui ont participé au financement d'estuaires, et ce sont toutes les collectivités, régions, départements, petites communautés de communes, toutes ont participé. Nantes, Saint-Nazaire, les métropoles, et aujourd'hui elles participent encore à l'entretien. Bon, il est évident que des opérations comme ça ne peuvent pas se faire qu'avec du financement public, mais ça doit se faire avec du financement public. Mais ça ne peut pas se faire, par exemple, qu'avec le financement du budget culture. Ça n'a rien à voir avec les budgets de la culture qui doivent faire vivre des petites associations ou des petites compagnies. Rien à voir. Il ne faut surtout pas que ça puisse être comparé. C'est ridicule.
Mais on y vient, petit à petit on y vient. Et pour ça, il faut aussi être capable de montrer les retombées économiques d'une offre culturelle qui devient touristique. Comment faire que ce soit le projet qui prévale et qu'après ça, on trouve les dispositifs économiques pour le faire vivre, plutôt que ce soit l'enjeu économique qui prévale et qu'on définisse le projet artistique en fonction de ça. Transformer une offre culturelle en offre touristique, c'est extrêmement dangereux. Ça l'est si effectivement tu n'as aucune éthique et que tu procèdes à l'envers. C'est-à-dire que nous, on est parti pendant 20 ans, on a réalisé un dispositif culturel pour les Nantais, au service des Nantais, bon, qui est aujourd'hui complet, plutôt de très bonne qualité, vraiment très pluridisciplinaire. Bon, voilà. Et on s'est aperçu à partir de 2007, avec la rénovation du château, avec la restauration du château et sa réouverture, avec l'ouverture des machines et avec l'ouverture des estuaires, qu'on attirait des touristes. Mais on n'a jamais cherché à le faire. Bon. On s'est aperçu que cette offre culturelle, elle pouvait intéresser d'autres visiteurs que les Nantais. Et donc on s'est dit, ben, on a un gisement, il faut l'exploiter. Quoi. Voilà. C'est comme ça qu'on a procédé. Et c'est en 2010 que Jean-Marc Ayrault m'a demandé de créer le Voyage à Nantes, fort de cette constatation, de cette analyse. Mais à aucun moment, on s'est dit quel objet on va construire pour faire venir des touristes à Nantes et pour créer une économie du tourisme à Nantes. Jamais. On est parti de ce que nous avions réalisé. Alors après, que feront nos successeurs dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas. Peut-être qu'effectivement, quand on aura constaté que l'économie du tourisme, elle est très importante aujourd'hui, à Nantes, en France et dans le monde, bon, peut-être qu'il y aura cette tendance à aller vers la réalisation d'objets hors sol, artificiels, pour faire venir des touristes. Mais la bataille qui s'est jouée pendant les municipales, elle était un peu de ce niveau. C'est-à-dire que l'opposition disait « mais il faut qu'on se tourne vers le Puy du Fou ». Avec moi, ils pouvaient attendre longtemps, tu vois. Par exemple, mais c'est-à-dire faire quelque chose qui n'est absolument pas nous-mêmes, qui ne nous ressemble pas et qui n'est pas nous. Bon. Et elle disait aussi « il faut réaliser avec la Cité des Sciences, une annexe de la Cité des Sciences de la Vilaine, ici à Nantes ». Mais pourquoi ? Pourquoi ? Les touristes qui vont venir en France, ils iront plutôt à la Vilaine que chez nous. Voilà. Ou au Futuroscope. Il y a des raisonnements comme totalement absurdes. Quoi. Il faut partir de ce que nous sommes, d'abord pour garder notre âme. Mais garder notre âme, ça veut dire aussi garder notre personnalité et donc notre image, et donc notre force. Quoi. Et moi, je le crois vraiment. Mais encore faut-il tenir ce discours, le tenir, oui, véritablement, et le conserver.